Donc, dans cette partie, nous allons voir la partie du cours concernant les tableaux et les collections. Bon, puisqu'on manipule des données, souvent vous aurez des objets à manipuler. Voilà, souvent les objets, on les regroupe dans des structures que l'on appelle les collections. Et il existe trois types de collections. Donc, vous avez les listes, les sets et les maps. Bon, en dehors des tableaux, qui sont des collections naturelles. Donc, les listes permettent. Voilà, de retrouver les éléments par index. Dans les sets, vous ne pourrez enregistrer un élément qu'une seule fois, pas de doublon. Tandis que dans les maps, vous avez un système de clés valeurs. Map, comme dans les hash maps ou que vous avez vu en Java. Donc d'abord avec les tableaux. Donc les tableaux, nous avons vu tout à l'heure, avec les uniplay. On peut les déclarer de différentes manières, soit en utilisant les tableaux classiques avec crochet, ou bien en utilisant array. Donc, ces deux vont vous permettre de déclarer des tableaux. Et pour quand vous utilisez array, il y a la généricité que vous avez vue en Java qui permet de préciser le type. Par exemple, en bas ici, on a déclaré un tableau de nombres qui contient 1, 2, 3 que l'on a affiché. Maintenant, vous pouvez aussi préciser comme type any et vous pouvez mettre des valeurs de type différent. Donc, array ou bien les crochets, comme en langage C ou bien en Java. Donc, array A majuscule. Donc, voici un autre exemple. Bon, peut-être ici, je l'ai capturé dans une application Angular. Donc, là où vous avez donc un tableau, l'étape 1. Vous avez le tableau, donc le reste vous ne l'écrivez pas. Tout ce qui se trouve donc jusqu'à la ligne 10. Donc pour parcourir les tableaux aussi, on utilise for, each, for in, for of, etc. Donc quand vous utilisez les tableaux, il y a plusieurs méthodes qui sont associées au tableau. Vous avez la méthode push, vous avez map, vous avez les méthodes comme for each. Hein? Comme join que nous avons utilisé, lens qui permet de retrouver la taille du tableau, filter qui permet de filtrer et d'enlever un élément suivant donc un critère, last index of pop qui enlève, je pense, le dernier élément, reduce, etc., reverse shift qui enlève le premier élément et sort qui permet de trier le tableau suivant un critère que vous donnez, etc. Donc, si vous allez sur ce lien, vous avez des détails sur l'ensemble de ces méthodes-là qui sont utilisées avec les tableaux. Donc, voici par exemple un tableau. Le tableau contient des nombres 100, 20 et 345. Dans un premier temps, on a ajouté la valeur 50, moins 52. Si on affiche le tableau, vous allez voir que moins 52 est affiché comme dernier élément du tableau. Vous pouvez aussi trier le tableau. Dans ce cas, on utilise la même sorte, mais avec une lambda fonction ici qui spécifie l'ordre, juste pour trier ici par ordre croissant. Ensuite, affichage donc du tableau pour afficher, et là vous allez voir que le tableau a été trié par ordre croissant. Ensuite, vous avez l'utilisation de la fonction pop. La fonction pop permet d'enlever le dernier élément du tableau. Et la fonction shift le premier. Quand vous écrivez l'instruction tableau.pop, il va enlever le dernier élément qui était moins 52 du tableau. Ensuite, vous avez donc un affichage ici qui affiche le tableau obtenu finalement. Et vous avez les autres méthodes aussi qu'on appelle. Donc, à la place de array aussi, vous pouvez utiliser les tableaux. Et là, le tableau a été déclaré initialisé. Mais vous pouvez aussi ajouter à table de 0 une autre valeur ou bien rajouter d'autres éléments. Le tableau est extensible. Donc, exemple. Donc, lettre. Donc, tap, par exemple. Deux points de type array. Voilà, donc égal. Et là, vous mettez les valeurs par défaut. Bon, il y a la généricité. Bon, faut que je le mette. Je n'ai pas les touches inférieures ici. Je vais le copier. Copier. Mon clavier n'a pas ces touches-là.
Oups, je l'ai fermé. Donc, TS. Cette GTI où encore? Ici, OK. Tab. Donc, type array. Donc, number, par exemple, le type qui correspond à votre traitement. Exemple 10, 85, moins 3, 0, bon, juste pour l'exemple. Et toujours format document. Il ne faut pas oublier pour formater le document. Et ensuite, donc, vous pouvez afficher les éléments. Par exemple, je vais utiliser for each. Oups, for each. Voilà, et log élément. Et là, donc, vous pouvez voir ici que donc j'ai l'affichage de l'ensemble des éléments de mon tableau. Voilà. Bon, for each ou bien une boucle for normale avec index comma langage C ou for in ou for off. Vous utilisez la boucle for. Donc à la place de number aussi, vous pouvez mettre any. Dans ce cas, vous pourrez stocker toutes les valeurs possibles. Par exemple, je peux mettre élément. Non, non. Là, c'est explicitement défini comme paramètre de la fonction for each. La fonction lambda for each. Là, on a la fonction lambda for each. C'est le paramètre de la fonction lambda. Là, en réalité, c'est une lambda fonction. For each. Vous pouvez le regarder comme une lambda fonction, mais qui contient un bloc, comme ce que tu as voulu écrire tout à l'heure. Donc, c'est une lambda fonction, for each. C'est le formatage là qui le met sur trois lignes. Vous pouvez ne pas l'écrire à la main. Écrivez seulement for each contre l'espace. Vous pouvez transformer le type en any. Voilà, et là, vous pourrez utiliser d'autres types de valeurs. Il y a notamment les objets que nous n'avons pas encore vus. Par exemple, ici, avec des, par exemple, nom, le point fal pour changer. Ça, c'est ce qu'on appelle des objets, prénom, de point modèle, par exemple, âge, de point 25. Et là, donc, j'ai plusieurs objets. Et donc là, il va vous afficher l'ensemble des objets. Donc le premier objet, puisque c'est un objet ici, donc vous avez les détails ici, on peut y accéder avec table de 0, point nom. Exemple. Non, élément ici, c'est le paramètre du lambda fonction. On ne le déclare pas. For each, c'est une lambda fonction. Et là, la lambda fonction reçoit l'élément pour paramètre la fiche. Bon, c'est automatique, c'est comme ça que for each est défini. C'est simplement la variable qui va parcourir les éléments du tableau de même. Bon, écriture peut-être un petit peu déroutée, mais c'est comme ça que ça a été défini. Avant de
formaté. Voilà. Bon, je réduis la taille là. Voilà. À la place de for if, si ça vous perturbe, vous pouvez utiliser une boucle for. Par exemple, je vais le remplacer par for in. Bon, for off. Voilà, vous pouvez utiliser for off, donc for iterator of tab. Et là, on met un log simplement. Si ça vous perturbe aussi, vous pouvez utiliser l'itérateur. Là, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on déclare un tableau qui contient un objet ainsi que les valeurs 10, 45, moins 3. Regardez, j'ai mis le type in. Donc je veux mettre n'importe quoi, des valeurs de n'importe quel type. Ensuite, la boucle for permet simplement d'afficher le contenu, c'est la chambre. Et par exemple, puisque le premier élément est un objet, donc clé valeur, bon, il ressent systématiquement. Donc ici, je fais table de 0 point, le point la propriété nom. Et là, il va m'afficher normalement ça. Si je mets table de 0, qui est donc la valeur qui est à la position 0 point, très bon. Il va m'afficher mon mot. Table de 0 point. Vous pouvez aussi utiliser. Donc, nous verrons tout à l'heure avec les maps. Oui. Si on déclare de vide, oui. Oui, vous pouvez ajouter des éléments. Hein? Ça affiche? J'ai pas compris. Oui. Hmm? Tout ça. Oui, tu peux mettre des crochets, mais après il faut rajouter des éléments au tableau. Cet élément. Oui, par exemple, efface. Oui. Ok. Ça, push, c'est parce que tu as mis pop pour enlever. Tu as ajouté un élément, tu l'as enlevé. Donc, normalement, il t'a fait rien du tout. Non, pop, oui, pop va supprimer le dernier élément du tableau. Bon, puisque c'est le seul, c'est le premier et le dernier élément, il va l'enlever. C'est pourquoi le tableau est vide. Est-ce qu'on peut envoyer une donnée depuis le terminal? La saisie. Oui, ça existe en TypeScript, mais bon, on ne va pas l'utiliser. C'est possible, hein? De toute façon, nous sommes, même ici, nous utilisons le JavaScript. Vous pouvez utiliser les fonctions JavaScript pour récupérer. Ça fonctionne toujours. Hein. C'est pas ces prompts. Comment ça s'appelle encore? La boîte de dialogue JavaScript. Ça fonctionne. Hein. Vous pouvez l'écrire. Ça fonctionne. Bon, en tout cas, de l'autre côté, quand vous serez sur dans le navigateur, ça fonctionne. Je pense que c'est prompt. Bon, il y a aussi une autre manière de saisir dans la console sur JavaScript. Hmm? C'est parce que tu as mis un point virgule à l'intérieur du tableau. Il n'y a pas de point virgule ici. Ça. Il n'y a pas de point virgule là-bas. D'accord, mais il y a toujours ça. Non, non. C'est identifiant, clé, deux points valeur. Regarde. C'est un map clé valeur. Regarde, j'ai mis nom, Fall, prénom, Mahmoud, âge 85. C'est un map clé valeur. Par exemple, vous voyez, quand j'écris alerte, il reconnaît alerte. Bonjour. Mais là, je pense que ça ne marchera pas ici, mais sur le navigateur, je pense que, voilà, au niveau du navigateur, quand vous rafraîchissez ici, où est-ce que c'était? Normalement, vous devrez avoir votre boîte alerte.
Voilà, vous voyez la boîte alerte s'affiche ici. Bon, sur la console, il n'y a pas de boîte alerte. Donc, vous pouvez, dans le navigateur, en profiter pour recueillir des valeurs de données. Je pense que c'est prompt. La boîte de saisie JavaScript. C'est prompt ou quelque chose comme ça. Oui, c'est confirme et prompt. Donc, vous pouvez utiliser prompt pour demander à l'utilisateur des valeurs, mais du côté du navigateur. En attendant, bon, que nous allons dans la partie Angular. Et là-bas, bon, on aura des mécanismes avec les formulaires et d'autres. Mais au niveau de la console, vous pouvez saisir avec TypeScript. Console, je pense que c'est console TypeScript. Il y a des fonctions qui sont prédéfinies. C'est plus comment. Parce que bon, ici ce n'est pas l'objectif, on ne va pas faire des saisies par l'intermédiaire de la console. Console.log. Voilà, console.log. Donc après, n'oubliez pas, push, c'est pour mettre un élément de plus. Même si aussi avec les tableaux, vous allez voir, il y a une manière. Donc vous pouvez utiliser push, par exemple, pour ajouter un élément, mais il existe d'autres mécanismes. Donc par exemple, ici, tab.push. Et là, il va le rajouter comme dernier élément. Par exemple, puisque c'est de type any, je mets une phrase. Voici ma phrase. Bon, je vais le mettre avant l'affichage, peut-être du tableau. Voilà. Après avoir déclaré le tableau, si j'utilise la fonction push, push va me permettre d'ajouter donc un nouveau élément. Vous voyez ici, voici ma phrase. Bon, il y a une autre manière aussi d'ajouter des éléments au tableau. Donc, c'est cette manière en écrivant que tab est égal. Voilà, à la nouvelle valeur, concaténée avec l'ancienne valeur de tab. Je pense que c'est comme ça qu'on l'écrit. Sauf erreur de ma part. Pense virgule. Voilà. Ça aussi, c'est une manière assez particulière que vous retrouvez sous JavaScript. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Nous verrons dans les fonctions. Ben, c'est une fonction de ce genre pour la recopie d'un tableau. Bon, je vais voir, je pense que je l'ai dans la diapositive suivante. Oui. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas mis la première partie. Pourquoi il met undefined, G0. Ok, mais undefined pour la phrase. Bon. Bon, il met toujours undefined. Ok, c'est bon, apparemment. Non, c'est à tab. Ah oui, c'est vrai que tab de 0 n'est plus un objet, mais c'est la phrase, quoi. C'est ce qu'il signalait. Donc, voici ma phrase, et ensuite, j'ai l'objet, etc. Vous voyez, ça, c'est une autre manière de rajouter des éléments à un tableau. Vous pouvez le voir. Au lieu d'utiliser push, qu'est-ce que c'est? J'ai changé de thème. Bon. Vous pouvez aussi changer de thème. Bon, il y a un raccourci que j'ai. Donc, pour les thèmes, vous cliquez ici. C'est color thème. Et vous avez plusieurs thèmes qui vous sont proposés ici.
Si la couleur noire là par défaut que vous avez ne vous convient pas. Parce que j'avais changé de thème, donc il y a Are you light? Donc ici settings. Non. Color thème, oui, voilà. Et là, vous pourrez changer de thème, je pense que moi, c'est quel thème j'avais mis. Oh. Vous pouvez changer. Il y a le raccourci que j'ai dû toucher et qui a changé de thème. Bon, il y a tous ces thèmes, là. Il y a le thème noirâtre. Bon, je vais le retrouver après. Voilà. Hein? Oui, c'était la couleur blanche. Maintenant, je ne sais plus c'est à. C'était lequel? Bon. C'est qu'il n'affiche pas la couleur correspondante. Bon, souvent, il faut. Bon, peut-être Are you light? Ah, voilà. Bon. Je sais pas. Est-ce que c'était sur le poste? Là, je ne pense pas. Là, on ne voit même pas les bordures là-bas. Noir, oui. Corte. Ah, ok. On peut parcourir là. Voilà. Je pense que c'était ces couleurs-là. Oh. Oh là là. Bon, dark. Voilà. Donc pour cette manière de copier un ou des éléments dans un tableau et de l'affecter, là aussi cela expose la prochaine diapositive qui montre comment recopier un tableau dans un autre tableau. Là, ça va permettre de dupliquer le tableau ici, au niveau de la variable copie tableau. Donc dans ce cas, vous mettez un projet, trois points de suspension de l'autre tableau, et là il va recopier le copie dans un autre tableau. Je l'ai utilisé tout à l'heure pour recopier en un état un élément supplémentaire. Voilà. Hein? Oui, c'est orienté, c'est un langage de programmation orienté. C'est presque du Java. Oui, c'est du Java, ça se ressemble. Hein? Ça se ressemble. De toute façon, ils sont tous hérités du C-Sharp, du langage C. En fait, Java, JavaScript. Qui? Java? Non. Oui, TypeScript. En fait, il a hérité de l'ensemble de ces langages-là. JavaScript, C-Sharp, Java. Bon. Même si, quand vous regardez, les fonctions sont presque similaires. Oui, Java. Même si Java est beaucoup plus rigoureux que vous. Donc pour les maps, ce sont des systèmes de clé-valeur, comme nous avons vu tout à l'heure, qui permettent de créer des structures où l'on a juste des éléments, mais avec un système de clé-valeur. Et dans les maps, vous avez plusieurs fonctions prédéfinies, point set, pour ajouter donc, des entrées, point get, pour récupérer les entrées de map, has, pour tester est-ce que le map contient une certaine clé, delete pour supprimer, et ça reste pour voir la taille du map. Donc voici comment l'interface map est définie, plus haut pour effacer aussi, et les autres. Ça c'est dans l'implémentation. Donc voici un exemple de map, où là on a déclaré le map avec le type des clés, la générosité et le type des éléments que le map contient. Quelle est la valeur? Par exemple ici, on a stocké à la première position, deuxième position, blablabla, et troisième position. Et là quand on lui dit, mon map.get2, il va vous récupérer
la valeur qui est à la clé numéro 2. Bon, les clés peuvent être de notre type, hein, chaîne de caractère, n'importe quoi. C'est juste ici. Mais le niveau, la clé doit être unique pour chaque élément. Si vous lui demandez à nouveau de mettre un élément à la clé numéro 1, vous allez écraser la valeur qui est élément. Donc, vous ne pouvez pas avoir plusieurs clés, des clés, la même clé. Voilà. C'est une seule clé. Voilà, c'est une seule clé. Mais vous ne pouvez pas avoir des duplications de clés dans les mains. Parce que la clé ici sert d'identifiant, comme la clé pour être une étape. Ensuite, vous avez has, et ensuite ici la clé. Est-ce que la clé numéro 5 est présente? Ensuite, vous pouvez afficher le nombre d'éléments, point size. Ensuite, bon, vous pouvez aussi parcourir le map, comme là, beaucoup trop de choses de tout à l'heure. Et supprime, va permettre de supprimer à une position donnée de votre map. Donc, pour terminer rapidement. Voilà, donc vous avez un exemple ici, qui est l'autre portion. Vous pouvez aussi convertir votre map en JSON. Voilà, pour cela, bon, on utilise. Il y a cette méthode-là, Stringify, donc de l'objet JSON, qui permet de convertir un objet en JSON. Donc, c'est ce qui est utilisé ici. Voilà, simplement. Donc, seulement on a déclaré ici un objet JSON object, dans lequel on a stocké un système à travers donc les clés là, donc des données, du map. Donc, en parcourant le map par ses clés et ses valeurs, on stocke ces clés valeurs donc dans un tableau ici, comme vous avez. Donc, JSON object. Et ensuite, l'objet JSON est automatiquement traduit en JSON, ce qui vous donne le format JSON si vous ajoutez JSON object. Et là, nous allons réutiliser dans Firestore. Là-bas, c'est ce type de stockage qui est utilisé. Et enfin, les objets que nous avons vus là-bas. Donc, vous pouvez définir les objets. Les objets, ce sont simplement des mains avec un système de clés valeurs. Et donc, la clé peut-être de tout type, donc, mais une parmi les clés qui sont définies dans l'objet, ensuite, vous définissez vos valeurs. Même une valeur peut être une fonction. Une fonction, un entier, un réel, une chaîne de caractères. Donc voilà, pour les objets, vous pouvez définir un tableau d'objets et ensuite pouvoir y accéder. Donc par exemple ici, on a défini l'objet personne ici, qui est accompagné par une fonction, pas avec les structures. Vous avez vu en langage. Ensuite, bien sûr, il faut implémenter la méthode dire bonjour. Par exemple, on va prendre personne.dire bonjour, donc l'attribut de la structure, bon, si on parle en quelque structure d'objet. Et à la fonction, pour dire que c'est une fonction, et on définit ce que la fonction est censée faire. Vous pouvez aussi lui passer les paramètres, voilà, si vous les avez définis là-bas. Mais là, ce n'est que donc, le template de la fonction que vous mettez ici dans l'objet, si vous le faites. Bon, on peut aussi avoir un objet sans fonction. Et ensuite, vous avez les autres opérations, où l'on invoque la fonction, pour modifier les valeurs, etc., et les afficher. Donc, ce sont des jeux que nous allons beaucoup plus utiliser dans Angular. Bon, maintenant, je pense qu'on peut s'en arrêter là. Comme ça, cet après-midi, on verra la programmation orientée objet. Ensuite, on fera un exercice. Et avant d'aller, peut-être à partir de demain matin, dans la partie Angular. Parce qu'il y a un TP. On va essayer peut-être de raccourcir le TP éventuellement. Donc, il y a la configuration de l'autre workspace. Bon, c'est vrai, il nous reste encore. Ok, bon, on verra bien. S'il le faut, il y a des parties, bon, surtout les promesses et les observables là, que je vais peut-être survoler. Nous allons se concentrer sur la programmation orientée avec les accesseurs, les getters, les setters. La programmation asynchrone, je vous en parlerai brièvement avec les modules et les décorateurs. Nous allons pourra peut-être commencer le TP vers 10,
17h, 18h. Voilà, ok. Donc on se retrouve cet après-midi, Inch'Allah, à 15h.